pour moi. Mon petit chef blanc, faut savoir autre chose. M'appelle pas comme ça, Tina. C'est un ordre? Oui. Alors j'obéis. À chacun son jeu. Et quel est ton jeu, Tina? Celui que je préfère. Pas forcément celui que je gagne. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Bonjour, Tina. Bonjour, madame. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à la piscine? J'y vais. Excuse-moi de te déranger, mais je pensais que c'était urgent. Ça vient du notaire de Griville. Sur ma craque, je l'ai pas ouverte. Élise est morte. On est convoqué pour l'ouverture du testament. Qui est-ce, la tante Élise? La sœur de mon père. Je savais même pas qu'il avait une sœur. Ma mère aurait pu me prévenir. Il existe encore, ta mère? Sans doute. À ce soir. Elle était riche, la tante Élise? Pas impossible. Arrivée du vol Afrique Inter 731 en provenance de Libreville. Débarquement porte 37. Afrique Inter, flight 731, arriving from Libreville, is now at gate 37. Tu fais la gueule. Sois pas bête, Alain, tu sais très bien pourquoi. Avant-hier, je l'ai eu au téléphone, elle n'a même pas eu l'air surprise. Comme si je l'avais quitté la veille. Votre chambre est prête. Tu sais, moi non plus, ça m'amuse pas de la revoir. Elle m'a jamais porté dans son cœur. On se demande qui elle a pu aimer. Mon père, avant qu'il la plaque. Maman? Oui? Pourquoi grand-mère n'a jamais voulu nous voir, toi et moi? Demande à ton père. Tu sais, Vincent, ta grand-mère n'a jamais eu la vie facile. Son mari... Mon père est parti avant ma naissance. Ensuite, elle était malade. Longtemps. Elle a des excuses. Je suis désolée, Alain, mais elle n'a aucune excuse. Vincent n'est plus un bébé. Il a tout à fait l'âge de savoir que sa grand-mère est une vieille égoïste. Il a la rancune tenace. En fait, elle ne t'a jamais pardonné d'être partie en Afrique et de l'avoir laissée. Ta mère n'a pas tout à fait tort, Vincent. Pourquoi est-ce qu'elle accepte de nous voir maintenant? Parce qu'elle est malade? Étonnant, rien n'a changé. Tu dis toujours ça. Si, c'est vrai. Dis donc, si on hérite de quelque chose, tu crois qu'on pourra le réaliser rapidement? J'en sais rien, pourquoi? Pour partir le plus vite possible. T'inquiète pas, si ça se trouve, tante Élise n'avait plus rien. En 15 ans, on peut se ruiner. Oh, regarde le cerf-volant!
Ah oui. Formidable. Et qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Ah non ouais. Mais regarde là-bas sur le blocos. Ah ouais, je l'avais pas vu lui. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est complètement fou, ce mot. Tiens, tu vois, ça c'est la maison d'Henri. C'est qui Henri? C'est bien celui qui attrapait les crevettes qui les mangeait tout de suite. Ah oui, vous aviez 8 ans. Oui, c'est à peu près. Bonjour. 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 Votre mère vous attend dans sa chambre, monsieur. Qui est-ce? Je sais pas. Son infirmière. Papa, qu'est-ce qu'elle a exactement, grand-mère? Elle a eu une attaque cardiaque. Infarctus ou artérosclérose? Elle n'a pas précisé. Cette odeur. Excusez-moi. Madame Lecoq. Oui, madame. Je vous ai dit que je ne voulais pas de ce paravent. Mais tout. Vous pouvez me parler, Alain. Je
Je ne suis pas encore morte. Bonjour, mère. Vous pouvez aussi me présenter votre femme. Et votre fils, je crois. Oui, voici Marie-Hélène. Et Vincent. Je suis content de vous revoir. Après tant de... Oh, le passé est ce qu'il est. Inutile de l'évoquer aujourd'hui. Vous êtes assez belle, ma Bru. Je regrette de n'avoir pas pu vous connaître plus tôt. Et toi, mon petit, quel âge ça te fait ? 13 ans et 6 mois. Déjà. Quant à vous, Alain, je vois que vous n'avez pas changé. Curieux. Toujours aussi entêté et en même temps sans courage. Je vais préparer une chambre pour vous au rez-de-chaussée. Vous restez combien de temps ? Nous partirons dès que tout sera réglé. À quelle heure ont lieu les obsèques ? Je l'ignore. J'aime pas parler des enterrements. Elle est morte dans son sommeil. Elle était un peu plus âgée que moi, vous savez. Et aussi plus riche. Puisqu'elle m'a toujours assistée. Je ne vous ai pas présenté Madame Lecoq. Mon infirmière depuis 3 mois. Très dévouée. Il faut dire que je la paye beaucoup mieux que ses anciens patrons. N'est-ce pas, Madame Lecoq ? Bon, Alain, il faut aller chercher les valises avant qu'il fasse nuit. Vincent, tu viens ? J'arrive. Alain ? Qu'y a-t-il ? Viens ici, mon petit. Est-ce que tu aimes vraiment ta femme ? Oui, pourquoi ? Tu es sûr ? Pourquoi tu me demandes ça tout à coup ? Une impression. Vous n'allez pas très bien ensemble. Je dirais qu'il y a comme une ombre entre vous. Ta mère est odieuse. Allez, viens voir notre chambre. On va pas dormir ici. Alain, moi je m'en vais. Bon, je vais demander au loueur d'envoyer notre voiture et on ira chercher un hôtel. Je vais téléphoner tout de suite. Le dîner sera servi à 20h très précise dans la chambre de votre mère. J'ai entendu que vous vouliez téléphoner. Le téléphone est aussi dans sa chambre. Dis, papa, avec ça, t'as besoin de pare-brise ? Il s'appelle comment cet hôtel ? Le Miramar.
J'espère qu'il est chauffé. Maximum. Je lui aurais demandé. Je me suis dit, venant d'Afrique, elle doit être frileuse. C'est un bon hôtel. Mon fils pourrait vous en parler mieux que moi. J'ai oublié tout ça, vous savez très bien. Auriez-vous aussi oublié de conduire ma vieille Mercedes? Vous vous souvenez, Alain? Vous me voliez les clés pour aller au Grand Blockhaus. Bien sûr, je saurais la conduire. Alors prenez-la. Je vous la prête. Un gosse nous a attaqué avec un cerf-volant, justement à côté du Grand Blockhaus. Il boitait un peu. Vous le connaissez? Je ne connais pas tous les petits voyous de la région. Tu viens? À propos de l'hôtel Miramar, il se peut qu'il fasse partie de votre héritage. Tante Élise l'aurait racheté. Je l'ai entendu dire. Elle était bien brave, tante Élise. Jusqu'au bout, elle m'a versé ma pension. Je crois qu'elle avait honte de ce que votre père m'avait fait. Elle s'occupait de moi à sa place. Oui, elle était bien brave. Dans la famille, les femmes sont meilleures que les hommes. J'espère que vous ne ferez pas mentir la tradition. Tu viens, Vincent ? C'est curieux qu'il soit ouvert hors saison, cet hôtel. Alain. Oui, pardon. Vous n'allez pas me faire manger encore des crabes? Ah oh ben, ils sont tellement bon marché. Ça fait 3 semaines qu'on ne mange que ça. Où voulez-vous? On ne sait plus où les mettre. Les pêcheurs les donnent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse si on ne les mange pas? Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous désirez? Ma mère vous a téléphoné, je suis Alain Bélanger. Vous êtes le fils de madame Bélanger? Oui, pourquoi? Elle vous a pas dit que c'était pour nous? Non. Mais ça pose un problème? Il n'y a pas de chambre? Excusez-moi. Vous avez les bagages? Oui, dans le coffre de ma voiture. Voilà les clés. Suivez-moi. C'est vrai, je n'avais pas pensé qu'il y avait... Écoutez, que se passe-t-il? Il vous reste des chambres ou pas? Mais oui, monsieur. Je vais vous donner la 2 et la 3 pour votre fils. Armand va vous conduire à vos chambres.
Tu me demandes qui sont les autres clients de l'hôtel. Il n'y en a pas, toutes les clés sont sur le tableau. Tenez. Plus en plus bizarre. Si on hérite de cet hôtel, faudra s'en débarrasser, mais au plus vite. Hein. Au plus vite. Hein. Ils répondent pas? Non. Ils sont débordés. Apparemment. T'as des souvenirs dans cet hôtel? Allô? Oui, je voudrais mettre Vallier, le notaire. Vous pouvez me trouver son numéro? Bon, d'accord, merci, j'attends. S'il vous plaît... Allô, s'il vous plaît, je voudrais savoir, le gérant de cet hôtel, c'est toujours monsieur... Monsieur Rivière? Ah bon, merci. Oui, oui, j'attends. Alors? J'ai demandé le notaire, mais... Allô? Ah bon? Bon, bah tant pis, merci. Ça marche pas. La tempête d'hier. Il y a eu une tempête hier? C'est ce qu'ils disent. T'as demandé pour le directeur? Non, il n'est pas là en ce moment. Pour le notaire, j'irai sans rendez-vous, il ne doit pas y avoir foule. Bon, ben moi je viens de coucher, je suis crevée. Bonsoir. Mais c'est pas la tendresse qui l'étouffe. Ah bah ben, c'est le climat. Ou la nourriture de ta mère. Oui. T'aurais pas comme... T'aurais pas comme... un petit creux. Dis donc, t'as pas répondu à ma question. Quelle question? T'as des souvenirs dans cet hôtel? Oui, vaguement. Attends. Attention. C'est quoi? Hein? Non, bouge pas. Y'a un truc. Ah non, mais ne crie pas! Ah non, mais. Oh non! Mais elle est... Mais c'est pas dangereux, il ne bouge pas comme ça. Bah voilà, ça y est, il pince maintenant, il pince. J'ai horreur de ces méchants. Oh oui, formidable. Tu vas voir. Pas terrible, pas terrible. Oh, lamentable. Bon, j'y vais. Si je peux, avant déjeuner, Marie-Hélène, j'irai voir le curé pour la messe. Hein? Et puis allez vous promener avec Vincent sur la plage. Avec ce temps? Oh bah non. Madame, je voudrais de l'essence, s'il vous plaît.
pourrais avoir le plein, s'il vous plaît? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Vous vérifiez l'huile aussi? Oui. Toi, qui tu es? Pourquoi tu nous as attaqués hier? Grand-père a raison. Faut se méfier de nous. Quoi, Solange? Rémi ne m'a pas prévenu. Il fait nuit, peut-être. Pourquoi tu es venue, ma petite fille? Tu n'étais pas bien chez Madame Bélanger? Elle t'aime beaucoup, tu sais. Elle t'a fait venir pour te protéger. Parce qu'il y a du danger. Écoute, Alain est revenu. Il est arrivé hier avec sa femme. Il paraît qu'elle est aussi mauvaise que lui. Et s'il apprend que tu es ici, il est capable de tout, tu le connais. Solange, viens, ma petite fille. Viens. Donne-moi ta main. Excusez-moi, mais je... Qui êtes-vous? Qui vous a permis? Je suis Marie-Hélène, la femme d'Alain. Sortez, vous n'avez pas le droit. Non, écoutez-moi. Vous êtes comme lui, vous êtes une misérable. Sortez! Sortez immédiatement! Vincent, lève-toi, habille-toi, vite, on va chez ta grand-mère. Bonjour, madame, je suis... Monsieur Alain Bélanger. Maître Vallier vous attend. Il m'attend? Mais j'ai pas prévenu, comment me connaissez-vous? On vous connaît très bien par ici. Si c'est pour l'ouverture du testament, c'est trop tôt. Vous auriez dû attendre demain, après les obsèques. Non, mais je viens pour quelques renseignements. Alors, entrez. Je ne peux vous répondre, monsieur Bélanger. Je sais bien que vous êtes l'héritier privilégié, le plus direct, de Madame Élise Marot. Mais il se peut très bien qu'il y ait des légataires hors famille. Comment ça, hors famille? Je ne peux vous en dire plus. Mais à part ma femme et moi, qui est convoqué demain? Secret professionnel, monsieur Bélanger. Est-ce que ma tante avait racheté l'hôtel Miramar? Ça, ce n'est un secret pour personne.
savez qu'elle voulait aider Monsieur Rivière, l'ancien propriétaire, après son accident. Quel accident? Explosion de gaz. Il avait perdu la vue. Il y a longtemps? Une quinzaine d'années. Vous ne le saviez pas? Non, j'étais en Afrique. Déjà? Alors l'hôtel a périclité. Exact. Et ma tante en a profité pour le racheter. Exact. Ça m'étonne pas. C'est une femme très gentille, mais un vrai requin. Vous devriez avoir honte. Votre tante était une sainte, comme votre mère. Si elle n'avait pas été là après votre fuite... Marthe, je vous en prie. Excusez-moi, c'était plus fort que moi. Elle était amie de votre tante. Nous nous reverrons demain, Monsieur Bélanger. Le testament éclaircira beaucoup de choses. C'est le rôle des testaments. Et la fille de Monsieur Rivière? Solange? Oui. Vous ne savez pas? Non. Elle était la principale victime de l'accident. Ça, vous le savez. Mais non, on m'a rien dit. Elle est morte? Non. Elle s'en est tirée. Mais elle était... Elle avait perdu la raison, et il a fallu la mettre dans un hôpital psychiatrique. Elle n'en est plus jamais ressortie, même pour la naissance de son enfant. Elle a eu un enfant? Il est vivant? À demain. Monsieur Bélanger. Marthe, voulez-vous reconduire Monsieur Bélanger? Si vous saviez comme j'ai aimé cet homme. M'a abandonné. Sans un mot. Son fils est pareil. J'ai passé 15 ans à essayer de réparer. C'est lâcheté. Ça m'a usé. Vous n'avez pas essayé de le retenir? Il s'est enfui. Avant de s'enfuir, il envoyait à Solange une lettre de rupture. Ignoble. Quand il a appris qu'elle était enceinte? Oui. Comme son père avait fait avec moi. Alors vous comprenez pourquoi je ne voulais pas qu'il vous épouse. Je savais qu'un jour ou l'autre, Solange surgirait contre vous. Pourquoi ne pas m'avoir écrit? Je vous ai écrit. Plusieurs fois. J'ai jamais eu de réponse. À quelle adresse? J'écris au bureau de mon fils. Je ne sais pas où vous habitez. Alain ne me l'a jamais dit. Et Solange, où est-elle? Pauvre petite. Je l'ai mise en sécurité chez ma belle-sœur. J'ai la tante Élise. Je voulais qu'elle soit présente chez le notaire. Et son fils l'a caché ailleurs. Mais je ne sais pas où. Son fils? C'est celui qui boite un peu? Oui. Une punition du ciel, peut-être. Alain? Oui.
peut vivre longtemps avec un homme sans bien le connaître. Alain tient énormément à cet héritage. Mais c'est bien aussi que le testament de tante Élise risque d'être en faveur de Solange et de son fils. À moins qu'il reconnaisse ses torts. Pour ça, il n'a pas assez de courage. La pauvre petite Solange était une jeune fille sensible, très sensible. Cette lettre de rupture l'a bouleversée. Et puis, cet accident. Ce n'était pas un accident. C'était bel et bien un suicide. Enfin, une tentative. Solange Rivière a voulu s'asphyxier et son père a provoqué l'explosion en venant la sauver. J'ai du mal à croire que vous ignoriez tout cela. Mais j'étais déjà parti. Et vous n'avez rien su? Rien. Et je vais vous dire autre chose, cette lettre de rupture, je ne l'ai jamais envoyée. C'est moi qui en ai reçu une, très dure, et c'est pour ça que je suis parti. Une lettre de Solange? Oui, bien sûr. Elle me disait qu'elle s'était trompée sur mon compte et qu'elle ne voulait plus me voir. Et vous pensez que je peux vous croire? Mais c'est la vérité, je vous jure. Ne jurez pas ici, si vous voulez vous confesser. Mais j'ai rien à confesser. Où est Solange? Je vais la voir. Dans une maison de santé à Font-aux-Vieux. Et son fils? Rémi. Il vit avec son grand-père. Assez souvent, il joue au cerf-volant sur les dunes. Il est très habile à ce jeu. Merci. Je vois ma mère. Oh, je suis désolée, elle dort. Réveillez-la, c'est important. C'est impossible, elle a une alerte. Et elle est sous calmant.
Je vous préviendrai quand elle ira mieux. Quand elle m'a jamais parlé du suicide de Solange Rivière, vous devez le savoir. Non. Non, je suis pas au courant. Je ne suis au service de votre mère que depuis 3 mois. Je reviendrai après déjeuner. Débrouillez-vous pour qu'elle se réveille. Chose importante à te dire. J'aimerais mieux que... C'est grave que ça? Oui. Ben, passe ta commande, il va prendre racine. J'ai pas faim, laissez-moi. Bon, donnez-moi la même chose. Vincent, va chercher un médicament dans la chambre, j'ai oublié. Vincent, reste à table. Tiens, tes médicaments. Là. Ben voilà, tu sais, juste avant que j'aille au Gabon, j'avais ici une petite amie. Presque une fiancée. Oui, celle qui n'a pas voulu de toi. Oui. Oui, on avait parlé de ce chagrin d'amour. C'est Solange? Comment le sais-tu? On avait dit son nom autrefois, j'ai pas oublié. Oui, Solange Rivière. Son père avait sa tutelle. Merci. C'était un très bon musicien, un violoniste. Ça va, ça va? Quand on lui a dit qu'on voulait se marier, selon chez moi, il est allé voir ma mère tout de suite, très content. Et ma mère l'a acheté dehors. Quoi? Parce qu'elle ne voulait pas entendre parler de Solange, je ne sais pas pourquoi. Elle disait toujours, mon fils n'est pas fait pour se marier. Elle avait peut-être raison. Écoute, je t'en prie, j'essaye de t'expliquer, ne me repousse pas. Vous voulez vraiment te marier? Oui. Ma mère aurait pas pu m'en empêcher, mais à ce moment-là, j'ai reçu une lettre de Solange, incroyable. Elle me détestait, me méprisait. Et je suis parti. Et elle? Elle est devenue folle. Elle a tenté de se suicider. Elle serait dans un asile psychiatrique, pas loin d'ici. Pourquoi se suicider? Parce qu'elle était enceinte et abandonnée. Enceinte de qui? De toi? Non, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Mais parce qu'on est restés 3 jours ensemble. C'était une fugue. Ouais, pendant ces 3 jours, vous avez fait l'amour. Oui. Sans arrêt. Enfin, si... Si elle avait été enceinte de moi, elle m'aurait pas écrit cette lettre. Son fils, qu'est-ce qu'il est devenu? Tu l'as vu comme moi, il nous a attaqués avec un cerf-volant. Pourquoi? Il est là, qui nous observe. C'est ici que vous étiez pendant votre fugue? Oui. Plutôt curieux comme nid d'amour. C'est truffé de souterrain. Un vrai labyrinthe. 2 jours après, ma mère a amené les gendarmes.
sent bien avec des chiens. Mais je comprends pas. Après cette lune de miel, elle t'a écrit qu'elle te détestait. Oui. Ma mère m'avait envoyé à Paris, c'est là que j'ai reçu la lettre. Tu es parti au Gabon. 2 jours après. Tu mens, Alain. Quoi? Tu mens et tu es un lâche. Ta mère avait raison. C'est toi qui as abandonné Solange. Tu ne voulais pas de cet enfant et elle voulait le garder. Alors tu lui as écrit et tu es parti. Tu m'as caché ça pendant des années. Tu savais très bien qu'elle est devenue folle à cause de toi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai tout appris ici en revenant. Oh, arrête! Tu me fais horreur! Toi, ton petit confort et ta tranquillité. Et cet argent, tu ne penses qu'à cet argent. Tiens! Demande-lui la vie qu'il a eue à cause de toi! Rémi! Rémi, attends-moi! Rémi! C'est vrai tout ce qu'elle a dit, maman? Écoute-moi bien, Vincent. Je sais pas ce qu'on a pu raconter à ta mère, mais jamais, tu m'entends bien. Jamais je n'ai fait la moindre chose de tout ce qu'elle a dit. Tu me crois? C'est mon frère? Tu me crois pas? Je ne sais pas. Allez, viens, dépêchons-nous. Votre clé, madame. C'est vous? Venez. N'ayez pas peur. Vous allez voir votre belle-mère. Oui, et ensuite j'ai... Chut, ne dites rien. Vos mains et votre souffle parlent pour vous. Ce matin, j'étais stupide. J'aurais dû comprendre que vous n'étiez pour rien dans cette affaire. Pardonnez-moi. Vous êtes belle. Vos traits sont fins, comme ceux de ma fille. Avant. Alain vous fait peur? Oui. Où est-il? Je l'ai laissé sur la plage avec mon fils. Vous avez peur qu'il trouve Solange? Rémi l'a bien caché. Elle attend la nuit pour sortir. Ses yeux ne supportent pas la lumière. Mais vous, s'il vient ici... Non, non, ne craignez rien. Ne craignez rien pour moi. Venez. C'est la chambre de ma fille. C'est ici que... Oui. Je n'ai touché à rien. Voulez-vous m'aider? Oui, bien sûr. Vous tenez beaucoup à cet héritage? Non, plus maintenant. Bien. Alors écoutez-moi. Solange n'a jamais cessé d'aimer votre mari. D'autre part, elle a des moments de lucidité. Et dans ces instants où elle paraît normale, elle prétend qu'Alain était innocent. C'est une obsession. Elle avait donc réussi à en persuader votre tante, qui a décidé de modifier son testament.
En faveur d'Alain? Oui. Au profit de qui était-il avant? Moi, Solange, Rémy. Pour nous assurer les moyens de vivre. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous demander beaucoup. Dites-moi. L'héritage est donc fait en faveur d'Alain. Mais à une condition. C'est qu'il soit lavé de tout soupçon en ce qui concerne la rupture. Et la seule personne qui puisse l'innocenter, c'est Solange. Vous avez peur qu'elle se dépouille elle-même? Voilà. Où est la lettre qu'elle a reçue? Il en existe une photocopie dans son dossier à la maison de santé. Où est-ce? Une cinquantaine de kilomètres d'ici, à Fontaux-le-Vieux. Allez-y de ma part, vous demanderez le docteur Morette. Mais attention, comprenez-moi bien. Si Alain hérite de tout, il ne lui laissera rien. Vous le connaissez. Vous direz à mon mari que je lui téléphonerai. Bien, madame. Tout ce qu'elle vous a dit? Oui. Voici votre clé, monsieur. Je veux voir monsieur Rivière immédiatement. C'est impossible, monsieur, il n'est pas là. Écoutez, je suis sans doute le futur propriétaire de cet hôtel. Alors, si vous tenez à votre place, conduisez-moi chez lui. Il faut absolument que je le voie avant demain. Mais... Trouvez-le. Comment elle était, Solange? Elle était belle? Oui. Enfin... Tiens, regarde. Tu voulais l'épouser? J'y pensais, oui. Elle était jeune. Moi aussi. Si tu l'avais épousée, je ne serais peut-être pas née. C'est-à-dire, tu serais différent. Peut-être un autre. Peut-être une fille. Peut-être. Tu regrettes d'avoir épousé maman? T'aurais pas envie de parler d'autre chose? Non. Bien, on rentre à l'hôtel. S'il vous plaît, c'est urgent. Ah, je suis désolé, il ne sera pas là à 22h demain matin. Mais comment je peux faire? Je ne suis pas de la région. Vous avez dans le port, là, une petite auberge à 500 mètres d'ici. Vous avez qu'à y aller de ma part. Allô, le Miramar? Oui, ne quittez pas. Tenez. Oui? Oui, c'est madame Bélanger. Non, sa belle-fille. Je voudrais savoir si mon fils et mon mari sont à l'hôtel. Non, non, ne les dérangez pas, c'est pas la peine. Allô? Est-ce que vous savez s'il a cherché à joindre monsieur Rivière? Bon. Merci, au revoir. Ne faites pas attention, c'est une pensionnaire d'à côté. Certains peuvent sortir, ça fait partie de la thérapeutique.
Ils sont pas méchants, vous savez. Elle veut qu'on aille au blocos. Tout de suite. Pourquoi ? Ici, elle a peur. Elle veut tout écrire pour toi. Et que ce soit moi qui te le dise. Comment ça ? Elle écrit maintenant ? Oui. Depuis qu'elle est sortie de l'asile. Comment se fait-il ? C'était les médicaments qu'on lui donnait. Ça lui brouillait la tête. Ça l'empêchait d'écrire. Thank you.
Vous allez pêcher loin? Ça dépend. Aujourd'hui, par exemple? Oh, aujourd'hui, je vais aller le moins loin possible, mais enfin, je vais dans un bon coin. Comment ça se fait que vous êtes là, à cette heure-là? J'attends qu'il soit 10 heures. Vous n'avez pas dû dormir de la nuit? Non, pas cette nuit. Ben, j'ai besoin d'un homme. Si vous voulez venir à pêcher avec moi, je vous embarque. Merci. Pas cette fois. Madame Bélanger venait tous les vendredis. Excusez-moi, j'ai trouvé que ça peut empêcher de fumer. Tous les vendredis, oui, pendant 15 ans. Si tous les parents de nos malades étaient aussi dévoués, notre métier serait de tourpeau. Elle se conduisait avec elle comme une véritable mère. Jusqu'à ses ennuis de santé, bien entendu. La tante Élise venait aussi? Elle l'a remplacée après son attaque, une seule fois. Elle était très impressionnée. Vous n'avez pas l'habitude, vous comprenez? Et puis ce jour-là, Solange lui avait écrit une lettre. Qu'est-ce qu'elle avait écrit? Je vais vous montrer ça. Lucien? C'est le dossier complet, Lucien? Oui, tout à fait complet, docteur. Tout à fait complet. Tenez, voilà ce mot. Je vais très bien. Où est Alain? Il n'a rien fait, je l'aime. Emmenez-moi. Alors? C'était pas la première fois, vous savez. Elle est dans un état obsessionnel. Pourquoi l'avez-vous laissé partir? Madame Bélanger me l'avait demandé, je pouvais pas faire autrement. D'autant plus qu'elle avait pris avec elle Madame Lecoq, une de nos infirmières. Ah, parce que Madame Lecoq était... Madame Lecoq s'occupait de Solange. Elle s'était liée d'amitié avec Madame Bélanger, et après son attaque, elle est partie la soigner. Comme ça, elle s'occupe aussi du traitement de Solange, enfin, à distance. Vous avez la lettre de rupture? Oui. C'est bien la signature de votre mari? Oui, oui. Pourquoi l'a-t-il tapé à la machine? C'est fréquent, vous savez. C'est plus cruel. Pour celui qui la reçoit. Mon mari savait que Solange était là? Moi, je n'ai jamais vu que Madame Bélanger. Elle m'a toujours dit que son fils avait disparu. Dites-moi, elle avait dû essayer de se faire avorter. Ah non. Ah non, puis ça, je ne l'aurais pas admis. J'ai pas tellement l'occasion de faire des accouchements ici. Et celui-là a été une très grande réussite. Ça s'est passé à 20 mai, et vraiment, tout s'est très, très bien passé. En dehors de la jambe du petit, bien entendu. Sophie, tu vas arrêter de sauter. Va voir ta mère, elle t'attend. Au revoir, docteur. Merci de m'avoir confié ces documents. Au revoir, madame. Et si vous rencontrez Solange, faites-le mes amitiés. Madame Bélanger? Oui? Je voudrais vous parler, c'est très important. Ici? Non. Au café? Si vous voulez, montez.
Solange était mon amie depuis le début. Moi, je sais. Elle écrivait sur les murs, et puis elle effaçait. Ce n'est pas Alain qui a écrit la lettre. Elle en était sûre. 15 années après, elle en était sûre. Mais qui l'a écrite? Je ne sais pas. Elle non plus ne sait pas. Excusez-moi. C'est difficile de parler dans la chambre. On nous surveille. Et puis, il y a ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on vous donne? Des pilules qui brouillent la tête, qui font oublier et qui font dormir. Ma mère ne va pas mieux. Elle dort profondément. Je vous préviens que nous serons en retard aux obsèques si nous ne prenons pas votre voiture. Mais je veux voir ma mère. Faut lui dire que votre femme vous a quitté. C'est inutile, elle le sait déjà. Votre mère m'a raconté votre passé. Je comprends bien des choses maintenant. Vous comprenez quoi? Qu'est-ce que vous a dit ma mère? Un peu de dignité, monsieur. On vous regarde. J'en ai rien à faire. Qu'est-ce que vous regardez, hein? Ça vous intéresse? La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Où tu étais? J'ai vu Rémi. Il m'a dit que Solange voulait te voir. Alors qu'ils sont dans la où? Il a dit que tu sais où. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment. J'ai l'impression que c'est vide. Pourquoi? Je la connais pas. Tu trouves ça beau la mort? Non. Alors pourquoi on dit avoir une belle mort? Parce que c'est soudain. On n'a pas le temps de souffrir. On n'a pas le temps d'avoir peur. Peur de quoi? De mourir.
C'est vrai que ça n'existe pas, l'enfer. Pas là où on croyait. Où est Solange Rivière? Nous la verrons plus tard, elle est dans le grand blocos de la plage. Elle ne vient pas maintenant. Bon, si elle n'est pas là, je commence. Je sous-signais Élise Marot, saine de corps et d'esprit, en l'absence de toute contrainte, etc., etc., déclare vouloir modifier mon précédent testament. Une visite à Solange Rivière m'a convaincu que celle-ci est tout à fait normale. Et comme elle ne cesse de protester de l'innocence de mon neveu Alain Bélanger, j'ai décidé de lui donner une chance. Je déclare donc Alain Bélanger mon légataire universel, à une condition. C'est maman. Excusez-nous. Madame Lecoq, qui vous a permis? Où étais-tu? Alain, tu sais qui était Mademoiselle Lecoq? Non. Elle était l'infirmière de Solange à l'asile. En fait, elle la maintenait sous hypnotique pour la persuader que tu étais coupable de tout. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Alain, tout ça a été complètement fabriqué et je... Enfin, heureusement, Solange a résisté. Elle t'a jamais accusé. Alain, c'est pas elle qui a ouvert le gaz le jour de l'explosion. Regardez ce qu'elle a écrit. Attendez, maître. Il vaudrait mieux que nous allions la voir tout de suite. Marthe! Venez vous expliquer! Viens pas. Viens. Vincent. Lui aussi. C'est là que tu étais avec Solange? Oui, Vincent, c'est ici. Mais ça s'est écroulé. Vous êtes là. Oui. Voilà 15 ans que j'attendais ce moment. Vous avez détruit ma vie, celle de ma fille. Je vous haïssais. Je voulais vous détruire. Maintenant, je ne sais plus.
Mais je voudrais savoir une chose. Il y a 15 ans, votre mère vous a-t-elle dit que Solange était enceinte de vous? Non. Avez-vous écrit une lettre de rupture avant de vous enfuir en Afrique? Non. Je suis parti parce que moi aussi j'ai reçu une lettre. Je sais maintenant que c'est pas toi qui l'avais écrite. Solange, viens avec nous. Viens. Tu peux pas vivre ici. Au contraire, c'est ailleurs qu'elle ne peut pas vivre. Solange a besoin de l'ombre. Je peux pas vous laisser ici. Si, si. Allez-vous-en. Rémi, va avec eux. Attendez notre retour. Je reviendrai vous chercher après le coucher du soleil. C'est promis. Voilà enfin. Oh. Madame Bélanger serait si triste de vous savoir ici. Elle qui a toujours veillé de si près sur votre santé. Allez, viens. Viens, je vais te soigner. Tu retourneras à la maison. Tu seras bien, tu sais. Viens, ma chérie. Tu sais bien que tu ne peux pas rester ici, voyons. Madame Bélanger t'attend. Elle t'aime beaucoup, Madame Bélanger. Elle va s'occuper de toi. Allez, viens. Viens, ma chérie. Allez, viens. Madame Lecoq? Lecoq n'est pas avec vous. Vous n'êtes pas très bavard, comme votre père. Pourquoi vouliez-vous que Marie-Hélène me quitte? Après ce que vous avez fait à Solange, et ce que votre père m'avait fait, c'était fatal. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est dans le sang. Solange ne voulait pas se suicider. C'est quelqu'un d'autre qui a ouvert la bouteille de gaz. Elle me l'a demandé. J'ai voulu l'aider, c'est tout. Vous étiez là. Et Madame Lecoq. Elle est morte. Avec Solange et son père. Elle est morte. C'est elle qui a tout fait. Depuis des mois, elle me tenait à la gorge. Mais elle n'était à votre service que depuis 3 mois. Elle m'avait obligée à l'engager. Depuis le début, elle visait l'héritage. Cela, je n'aurais pas été capable de le gérer. Elle m'avait fait signer des procurations. Touche pas ça! C'est vous qui avez écrit les lettres de rupture. Je te détestais tant que ça.
Monsieur Bélanger ? Oui. Vous êtes passé au blocos ? Vous aviez raison, il y a peu d'espoir. J'ai fait demander des spécialistes, tout s'est écroulé, on peut pas y descendre comme ça. Et ici, que se passe-t-il ? Restez encore quelques jours pour régler les dernières formalités. Mon avocat s'occupera. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez vous adresser. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Il est avec nous. Ah bon ? Maintenant, allons voir votre mère. J'aimerais lui poser quelques questions. Depuis la dernière marée noire, les crevettes ont doublé de volume. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a dit ça ? Un pêcheur. Si on vendait tout, la maison, l'hôtel, les terrains, tout, on réglerait les droits de succession. C'est incroyable, hein, la part que prend l'État. Dis, je croyais que t'étais contre l'héritage. Ou alors on va au casino, on met tous sur le 17, on perd et on repart en Afrique. Non. J'ai plus envie de jouer. Ça commence bien. T'inquiète pas, c'est normal. Tu crois qu'ils finiront par s'entendre ? Je sais pas. J'espère. Avec le temps. Voilà, c'est la famille.